Je vais laisser la parole à votre fille, Patricia. Alors, comment ça se passe, cette transmission ? Ça se passe vraiment très bien, idéalement. En fait, moi, quand j'annonce, bonjour, j'ai 34 ans, je vais reprendre l'entreprise familiale, on me dit, ça doit être difficile. Alors que non, c'est une opportunité extraordinaire, une aventure qui continue, mais les gens autour de moi sont désespérés pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de vouloir être chef d'entreprise ou si c'est la filière textile qui leur fait peur, mais les deux à la fois combinés, ça semble... Il y a un manque d'enthousiasme, un manque de motivation. Et en fait, moi, je suis étonnée parce que je suis extrêmement positive. J'y crois. Ça fait 120 ans que l'entreprise existe. Je pense qu'il y a eu quand même quelques tempêtes en 120 ans. On les a toutes surmontées. Donc, je suis assez jeune, mais j'ai eu l'exemple de mes parents qui ont beaucoup travaillé et qui ont affronté ces difficultés. Je sais les challenges qui m'attendent, ou en tout cas je les ai perçus, de vouer sa vie à son entreprise, de la gérer en bon père de famille, parce que on a une image des entreprises en France qui n'est que les gros groupes, avec cette histoire d'actionnariat qui prend tout l'argent des salariés. C'est pas comme ça que ça se passe dans les petites boîtes ou dans les moyennes. On est une équipe soudée et je pense que la motivation et la volonté de réussir à quels que soient les niveaux est importante. Si on n'a pas cette motivation, évidemment, on n'y va pas. Moi, j'y crois. Je vois pas pourquoi ça serait plus difficile qu'autre chose. Vous savez, quand j'étais petite, on m'a dit, Herminie, tu sais, ton aïeule, elle s'est fait bannir, elle est partie en Argentine. Et puis, en fait, elle est revenue à la guerre de 14, parce qu'elle a voulu envoyer ses deux fils au front, parce qu'elle était patriote. Alors, franchement, quand j'étais petite, je me disais, bizarre quand même, on l'a chassée de son pays, elle revient dans son pays se battre pour lui. Je trouvais ça bizarre. Moi, l'année dernière, en mai, j'ai eu un vieux coup de blues. Je suis partie au Brésil, j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas rester dans un pays qui me comprend pas, ou qui, en tout cas, qui partage pas mes valeurs, qui sont... De vouloir faire rayonner la France, quel que soit le niveau, de vouloir faire vivre... C'est talent, parce qu'on en a vraiment, quel que soit le métier. En tout cas, dans le nôtre, moi, j'ai des filles formidables qui y croient et qui aiment ce qu'elles font. Et je suis partie au Brésil. Et c'est pas ma patrie. Et je suis rentrée et j'ai dit, moi, je veux me battre en France. Je suis française. Je suis entourée de gens formidables toute la journée. J'ai des fournisseurs qui se battent. J'ai des clients qui nous sont fidèles. Et quand on transmet quelque chose... qu'on aime, on y croit et on continue à se battre. Moi, je suis là, j'ai décidé de me battre pour d'abord pour mon entreprise, pour les filles qui y croient, et puis pour mon pays qui a traversé plein de tempêtes et qui s'est toujours relevé. Et je veux croire qu'on se relèvera et qu'on continue à y croire tous. Je voudrais parler aussi d'unité. On a eu des profils de réussite ici avec beaucoup d'entrepreneurs et aussi de patrons. La réussite, elle passe dans une entreprise ou dans, à mon avis, chaque forme de regroupement par une unité. Et ici, on est là, on parle de nos entreprises parce que c'est nos, on les représente, mais il faut aussi penser que tous ceux qui sont à tous les niveaux font partie de cette réussite française. Et c'est aussi pour eux qu'on se bat, et ils le ressentent. Donc c'est bien de réunir toutes ces compétences. Donc, on est là pour parler d'eux, et il faut aussi prendre en compte le fait que réussir, c'est aussi être excellent dans son métier, quel qu'il soit. Bravo. 120 ans d'entreprise, 6 générations de femmes, et une belle réussite, et je ne doute pas que ça continuera. Bravo.